Alors sa reine est en fuite. Ce sera bientôt fini. Sa reine n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais? Il est pourri jusqu'à la moelle, oui. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. Ça, c'est à moi d'en décider. Dites-moi d'où vous connaissez sa reine. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien, que le patron n'était jamais là pour les emmerder, et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que sa reine recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement, quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que sa reine faisait sur ce vaisseau? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. Deux mercenaires l'ont appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. J'ai même pas attendu la paye. Qu'est-ce qu'il transportait? Que voulait sa reine? J'en sais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des provisions et du matériel médical. Quelques armes standards aussi, mais rien d'important. S'il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau, ça m'a échappé. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant. À qui appartenait le vaisseau? C'était un vaisseau de commerce, Volus. Un gros, rempli de gardes. Mais il n'était pas de taille contre nous. C'est la seule fois que vous l'avez vu? Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais mon instinct ne m'avait pas trompé. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts, sans exception. À plus tard, Vrex. Shepard. Ah oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Votre sœur, je présume? Jusqu'à ce que je la tue, oui. C'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... Comment déjà? Sonny? Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire? Ah ah, alors c'est bien ça.
Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même. Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés. Surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Votre père était marine ? Oui. Il prenait les affectations les plus miteuses pour avoir un peu de temps à la maison. Il a fait de son mieux pour gravir les échelons, mais il n'a jamais dépassé quartier maître. Il a été sacrément fier quand j'ai été nommé artilleur. J'ai eu droit au salut militaire en rentrant. Et votre mère, vous n'en avez pas parlé ? Vous savez comment sont les femmes de militaires ? Fortes par nécessité. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des gosses quand monsieur part 6 mois en vadrouille. Elle a un diplôme en géologie planétaire. Mes parents avaient tous les deux envie d'explorer les nouveaux mondes. Mais elle a dû abandonner sa carrière pour nous élever. Vous avez plusieurs sœurs, famille nombreuse on dirait. Ça oui, c'est moi l'aînée. Ensuite Lynn, Abby et enfin Sarah. Elle est encore au collège. Avec 4 filles, mon père disait qu'il se sentait plus débordé à la maison qu'en manœuvre. Où est-ce que vous avez grandi ? Un peu partout. Mon père a été muté 12 fois quand j'étais à l'école primaire. C'est le service des affectations qui décide. C'est sûrement pour ça qu'on est aussi proches, mes sœurs et moi. On devait abandonner nos amis tous les 2 ou 3 ans. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore ? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse. Vous voulez en parler ? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Où est-ce que vous étiez pendant cette période ? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a 2 ans. Ils étaient sur Amaterasu et moi sur Tchernobouk, dans la même région mais à 10 années-lumière. On était assez proches pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. On dirait que cette situation n'a pas duré. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action, et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Pourquoi vous n'avez pas averti la police ? Mais elle disait que ça n'aurait rien arrangé, que ça aurait fait du tort à Mike comme à elle. C'était une petite colonie. On s'est dit qu'après tout, c'était son choix, et on l'a laissé juge. Mais ça a rendu ma mère furieuse. Vous dites que vos sœurs ont appris l'autodéfense ? Lynn a appris à se servir d'un pistolet, mais elle n'a jamais aimé ça. Ça la rend nerveuse. Sarah a choisi l'aïkido. Abby, ça a été l'escrime. Elle a toujours été un peu bizarre, le genre à porter des jupes longues et des hauts ultra serrés. Ceci dit, ça lui allait très bien. Qu'est-ce que vous avez appris ? Un des amis de mon père m'a enseigné le close combat des Marines. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre sœur à l'école ? Ce n'était qu'à 10 années-lumière. Un jour de vol, en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur Terre. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en 2, mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. Elle lui a arrangé le portrait, tant mieux. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Sacrée gamine, en effet. Et votre père ? Vous n'en avez pas parlé. Il était mobilisé ?
C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors ça, si je m'y attendais. Eh, on peut très bien aimer la poésie et savoir trouer la caboche d'un type à 100 mètres. Évitez quand même de le crier sur les toits. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant ? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Alors, bats les pattes. Je croyais qu'il était mort. Vous savez, depuis le ciel. Enfin, le ciel après l'espace. Ça vous pose problème que je croie en Dieu ? Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouvert à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante ? Oui, vous avez déjà regardé par le hublot ? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose ? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Ces colons ont du mérite. C'est bien le dernier endroit où j'aurais envie d'habiter. Si j'y étais, je ferais tout pour me tirer de là. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Commandant, comment allez-vous ? Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC ? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Dans les grandes lignes ? Oh, comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits, quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. Ça lui est égal que ce soit pour poursuivre sa reine ? Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir spectre il y a quelques années, pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez spectre ? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Tous les spectres ne sont pas comme sa reine, vous savez ça ? Bien sûr que je le sais. Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Vous apprenez vite, Garrus. On va le battre à son propre jeu. Là, on sera sûr du résultat. Comptez sur moi, commandant. Il vous faut des provisions ? Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant.
Bonjour, Shepard. Vous allez bien? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Le silence vous empêche de dormir? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur, mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref. Mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle. C'est votre gouvernement? La branche civile, pour être exacte. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la Commission n'a utilisé son veto que 4 fois. J'aimerais en savoir plus sur les guettes. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Intéressant. Les guettes ont été créées pour servir de main-d'œuvre automatisée. À l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable. Vous auriez dû vous douter que ça se retournerait contre vous. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose. Leur réseau neural. Quand 1 million de guettes réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Pourquoi se sont-ils retournés contre vous? Plus nous construisions de guettes, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que pour la première fois, un guette questionne son contremaître. Suis-je en vie? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Vous vous en doutez, cet incident a semé la panique parmi les cariens. Que s'est-il passé ensuite? Il semblait inévitable que les guettes, fraîchement dotées d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les guettes de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes cariens. Les guettes y réagirent par la violence. Vous ne pensiez tout de même pas qu'ils allaient se laisser exterminer sans rien faire?
Nous espérions que la plupart des guettes seraient juste un peu plus développées que des machines, et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les Cariens tombaient par millions sous les assauts des guettes. Finalement, il n'eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les guettes nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. Je dois y aller. À plus tard. Je peux vous aider, commandant ? Ce sera tout, Adams. À vos ordres, commandant. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur ? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Quel genre d'informations ? Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant, mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil.
Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, Commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. On dénonce. Virmir est un monde luxuriant situé sur la bordure de la travée de l'Attique. Ses vastes océans et la position de son orbite sur la frange intérieure du système ont donné naissance à une large bande tropicale sur son équateur. Seule l'instabilité politique de la région a freiné les efforts de colonisation. À plusieurs reprises, la citadelle a ouvert des négociations avec diverses factions criminelles et petites dictatures des systèmes Terminus pour régler le cas de Virmir. Toutes ont échoué à cause des luttes de pouvoir intestines du camp opposé. Le Conseil a donc déclaré la colonisation de Virmir impossible sans une certaine stabilité politique dans la région. Il semble également improbable que les diverses factions des systèmes Terminus s'accordent entre elles sur la... Virmir est un monde luxuriant situé sur la bordure de la travée de l'Attique. Ses vastes océans et la position de son orbite sur la frange intérieure du système ont donné naissance à une large bande tropicale sur son équateur. Seule l'instabilité politique de la région a freiné les efforts de colonisation. À plusieurs reprises, la citadelle a ouvert des négociations avec diverses factions criminelles et petites dictatures des systèmes Terminus pour régler le cas de Virmir. Toutes ont échoué à cause des luttes de pouvoir intestines du camp opposé. Le Conseil a donc déclaré la colonisation de Virmir impossible sans une certaine stabilité politique dans la région. Il semble également improbable que les diverses factions des systèmes Terminus s'accordent entre elles sur la question de Virmir. La plupart n'ont pas les ressources nécessaires pour soutenir la création d'une colonie sur un monde vierge et préfèrent consacrer leurs efforts à voler leurs voisins plutôt que d'investir pour se développer. Thank you.
Réception d'un message, je transfère. Normandie, ici PC Alliance. Nous détectons votre présence dans le secteur Attic Beta. Un de nos drones de surveillance a été abattu alors qu'il recueillait des informations sur les activités des guettes dans la région. Nous vous demandons de vous rendre sur cette planète afin de récupérer le module de données du drone avant les guettes.
plus drone de surveillance. Mais où est le module de données? Ouais, youpi. C'est un peu cruel, non? Il ne pouvait pas y couper. J'attends vos ordres. Je suis prêt, commandant.
Le drone de surveillance. Mais où est le module de données? Ouais, youpi. Je bouge. J'arrive. J'attends vos ordres. Je suis avec vous.
C'est parti! Il a laissé tomber le module. C'est un miracle que le module soit intact. Joker va pouvoir transmettre. C'était un peu cruel, non? Il ne pouvait pas y couper. Le drone de surveillance. Mais où est le module de données? Ouais, youpi. J'attends vos ordres.